Il s'avère que la musique est un espace hallucinant, quelque chose que je ne connais pas naturellement. C'est Michel Bouquet qui m'a fait accéder à Mozart, c'est Glenn Gould qui m'a fait accéder à Bach. Bertrand m'a envoyé des textes et j'ai trouvé ça impressionnant. J'en connaissais quelques-uns, je connaissais le fameux Thomas Bernhard sur l'horreur de la musique qui envahit les ascenseurs, les magasins, les restaurants. C'est une crise de l'époque, aucune personne ne déjeune sans musique. Quand j'ai lu tous ces écrivains, Glenn Gould, le fameux cas Wagner, où on voit Nietzsche nous expliquer pourquoi Bizet est un génie, je me suis dit, écoute, je peux tout à fait lire ces textes. C'est prodigieux, Bach et Mozart. Là. On va attaquer Glenn Gould. On va faire un peu de sioran pour s'amuser, puis après je vais attaquer Eh Gould. ben, je suis venu enregistrer des textes, un que j'adore de Nietzsche, certains de Glenn Gould que je connaissais. Et après, je reprends mon spectacle sur La Fontaine. Voilà, bonne journée et merci beaucoup.